What's up? Suite des épisodes Berserk, je sais que ça fait longtemps. J'avais des problèmes manette, vous connaissez, hein. Enfin, vous connaissez, non. Mais problème manette. Je pouvais pas jouer. Bref, j'ai récupéré une manette, donc on va partir sur Shanks. C'est Jipar, voilà ce que du coup j'ai pris. Amélioration d'attaque X, poursuite du coup. Pourquoi poursuite? Parce que je ne peux pas prendre force herculéenne. Et de base, je suis censé le prendre, mais pourquoi je peux pas prendre force herculéenne? Parce que du coup, j'ai pris force du souverain. Donc, je pense que les personnages de type Haki, on va compenser ça avec force du souverain. Est-ce que ça la mettra un avantage ou pas? I don't know. Je sais pas, on va voir. Voilà. Sinon, après, dans l'ensemble, c'est le même pour tout le reste. C'est type A. Je sais pas si vous avez pu voir le petit trailer là, qui est passé là, de. Comment il s'appelle? De Garp, Riley, etc. Mais ça a l'air d'être une dinguerie. Mais comme pas possible. Et quand je vous dis une dinguerie, mais une dinguerie. Là, le Riley a l'air insane. Garp, mais c'est celui que j'attends, mais de malade. Je l'attends grave au tournant. En mode, j'espère que ça va être un délire. Et j'espère que ils vont le respecter, du coup, cette fois. Bon, il peut me laisser charger mon attaque de Haki ou c'est trop lui demander. J'espère que vraiment ça va être un délire cette fois. Hop. On va mettre le coup. Bam. On a vaincu. Là, notre but, c'est vraiment de mettre que des coups d'X. On va pas mettre de coups d'Y, ça sert à rien. Là, c'est vraiment mettre les dégâts à l'auto-attaque avec le Y, enfin avec le X, à l'auto-attaque classique. À la limite, on fait une attaque spéciale si possible. Bon, c'est tout. Hein. Hop, et sinon, majoritairement, on fera super mal. Toujours classique, on essaie de perdre le plus de vie possible tout en faisant attention. Hein. Là, on s'est un peu laissé taper histoire de buffer nos dégâts. Mais après, pour le reste, on fera attention. Mais ouais, le petit trailer là, oh là 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 là, insane. Si, à moins que je vous le montre la fin de ce. Ouais, non, parce que flemme. En fait, je vous aurais bien montré, mais il faut faire après des montages, j'ai la flemme. Hein. De toute façon, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, ils savent que tout ce qui est montage, c'est pas mon point fort. De deux, j'ai giga la flemme. Là, avec Shanks, c'est un délire, hein. je fais trop mal. Mais ouais, il y a les trois prochains persos DLC, c'est Barbe Blanche, non pas Barbe Blanche, c'est Goldie Roger, Rayleigh, donc Goldie Roger jeune, du coup, hein, pas à son best prime. Hein. Il y a Rayleigh, du coup, à son best prime, Rayleigh Prime, et il y a Garp, au moment où il est passé, on lui a mis le statut de héros. Charger l'attaque. Hein. Il est où? Il est là. On va charger. Hop. C'est bien parce qu'en vrai, tant qu'on reste comme ça, on fait le maximum de dégâts. Hein. Il m'a tapé, genre. Je sais que je pourrais faire plus de dégâts en appuyant sur Y, mais bon, voilà quoi. Hop. Je me rappelle plus de toutes les attaques de Shanks. Moi, ce qui aurait été intéressant, c'est réalité que quand tu appuies sur Y, longtemps, tu charges une attaque. Là, en l'occurrence, ça envoie des balles de Haki, tu vois. Mais genre, si tu charges longtemps, ils auraient dû faire en sorte que. Tu mets ton arme en Haki, je. Yep. Je me suis trompé de côté, j'ai trop le seum. Donc, on va faire ça. Hop, c'est une histoire de charger mon attaque. Mais ouais, du coup, pour revenir, parce que je suis là, je me perds dans ma discussion, et au final, après, je ne parle même plus de ce que je parlais juste avant. Le gameplay, du coup, de Gold Roger, il a l'air intéressant. Après, lui aussi, je l'attends. En fait, je peux que être surpris, parce qu'on n'a pas de. On nous a pas plus que ça montré, tu vois, de comment il se bat. C'est comme Shanks, en fait. Pour l'instant, Shanks, on nous a juste montré que, ouais, il est fort, et puis basta. Et puis c'est tout, dans tous les opus il est insane, le perso fait trop mal et puis basta. Ah merde, j'ai raté. Comment j'ai pu rater donc, deux fois la clé? Mais comment? 1, 2, 3, 4. Ok. On a tué les 3, c'est nickel. Shanks du coup.
on n'avait pas genre vraiment de gameplay, il est apparu et bah il est insane, genre vraiment il est insane comme pas possible. Et bah pareil du coup pour certains persos comme non Katakuri on avait déjà le gameplay. Shiki on avait pas plus que ça le gameplay. Tashigi on a pas plus que ça le gameplay, genre on sait juste qu'a fait Kelly Shigure et puis basta. Mais genre son gameplay en soi moi personnellement je l'apprécie de ouf. Oh je l'ai tué, il a un point. Je l'apprécie vraiment de ouf son gameplay à Tashigi. Hop, on va cancel. On va charger son attaque. Hop. Si je peux pas la faire cette attaque. Je me ferais défoncer si je fais ça. Ouais du coup on n'avait pas eu son gameplay et il était grave intéressant. Donc là on sait que Gold Roger c'est un type puissance. Rayleigh c'est un type puissance. Enfin non c'est un type rapide. Je suis un peu déçu pour Rayleigh du fait que ça soit un type rapide. J'aurais grave voulu un type puissant. Je dis honnêtement, j'aurais grave voulu un chip puissant pour que ça soit une dinguerie, genre. Mais en vrai, un chip rapide, ça passe. Parce que, en fait, pour moi, je voyais les deux. Je voulais pas un chip technique pour un des trois. Et normalement, Garb, c'est un chip puissance. Donc on a puissance, rapide, puissance. Oh, j'ai pas chargé. Ok, on l'a tué. Ok, on a tué. Oh, j'ai failli prendre le gigot là. Ouais, j'aurais vraiment pas voulu un chip puissance pour les. Enfin, un chip puissance pour les trois, ça aurait été incroyable. Mais en même temps, un chip rapide en vrai pour du coup au final. 1, 2, 3, 4. Un chip rapide au final pour. Oh, il m'a fait bouger du coup avec la caméra. Au final, ça reste intéressant de ouf. Et pour le 3, en chip rapide, j'aurais voulu que ce soit Rayleigh. J'aurais eu un Gold Roger en chip rapide. Oh, je pense que j'aurais pleuré de ouf. J'aurais vraiment pleuré de malade. Parce que je le vois pas du tout en chip rapide. Voire mais pas du tout. Il aurait. Il faut qu'il soit puissant. Et c'est surtout que il faut que. Bah. En fait, il faut que ce soit littéralement le meilleur perso. Genre vraiment que le jeu est trop simple du fait qu'on ait ce perso genre. C'est un peu dommage, mais en même temps, c'est censé être genre le plus fort. Ouais, vous voyez ce que je veux dire? T'es censé être le plus fort. On va essayer d'aller tuer lui là-bas là avant qu'il nous casse les couilles. Et ma cancel, j'ai un peu le seum. Ok, nice. Il est censé clairement être le plus fort de façon de base dans l'opus. Après on n'a pas dit genre en mode c'est le plus puissant tu vois de base. On sait juste que de toute façon il fait arme égale de toute façon avec arme égale, enfin grand mot mais arme égale du coup avec Barbe Blanche qui est genre destiné à être enfin c'est l'homme le plus fort du monde. Et genre il s'autoproclame en tant que rival, tu vois ce que je veux dire. Il est où le trou de balle? What, qu'est-ce qu'il fait là-bas? Oh, les dégâts c'est aberrant par contre. Hop, on va cancel, on va charger son attaque. Cette attaque fait grave mal en vrai de voir. Je comptais pas au début utiliser l'attaque spéciale, mais en vrai autant l'utiliser. Elle est offerte, hein, elle est donnée, donc autant l'utiliser. Hop. Mais elle fait archi mal. Genre. Tac tac tac. Là il me faut au minimum. Là j'ai pas beaucoup de vie en vrai, une attaque et je canne. On est quand même, mais de toute façon je m'en balais plus, je cherche pas à rusher le temps. Ah il m'a fait taper gratuit, j'ai un peu le seum. Là on finit l'attaque. Hop, on peut y aller. Ok, j'ai très peu de vie. Là je pense que ce qu'on va faire. Parce que si je me prends une attaque, je meurs. Je vais lancer mon explosion d'énergie. Je vais.
Je vais commencer mon start combo avec les éclairs. Et je vais taper. Hein. Pas faire du chim, ça sert à rien. Là, mon but, c'est vraiment de les buter. Genre. C'est simple, il ne meurt pas. Je suis en PLS. Ok, j'ai eu Shanks, j'ai eu Mihawk. Oh là 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 là, cette finale! Ils sont venus devant moi, c'était incroyable! Respect. Non, en vrai de vrai, en vrai de vrai. Le mode Berserk, il est sympa et ça rajoute du piment. Du fait que tu dois te focus de ouf pour pas perdre de ouf de la vie. Parce qu'en vrai, vas-y. Bon, autant dans celui-là, tu perds pas plus de vie que ça et il y a beaucoup de trucs vu que c'est spamming de spell en boucle. Tu régènes ta vie tellement facilement. Sauf que quand tu joues vraiment en mode Berserk, ton but c'est vraiment pas de prendre des soins. Oh, c'est un délire, ça fait trop mal. C'est vraiment fort. Enfin, je pense qu'il y a moyen d'améliorer ça encore, encore un peu. Déjà au prochain patch, il y aura ces stats-là qui seront améliorées niveau 5. Parce que là, ils sont que niveau 3. Les attaques, elles sont que niveau 3. Et il y a moyen de les avoir niveau 5. Genre certaines, si je me trompe pas. Enfin, normalement, elles passent tous niveau 5. Et la majorité sont niveau 3. Il y en a beaucoup qui sont niveau 3. Et il y en a beaucoup niveau 5. Prochain perso, on fera qui? J'allais dire lui, il a une arme, mais en fait, c'est que sur un seul move. Donc, pas intéressant. Bah, tu sais quoi, on va faire dans la ligne. Hein. On va faire... Barbe blanche. Je buguais. On va faire barbe blanche. Et après, du coup, on fera l'eau. L'eau, ça va être dur. L'eau, ça va être dur. Parce que lui, c'est vraiment les attaques spéciales. Lui, il va être très, très dur, l'eau. Il y a qui après l'eau? Il y aura Hawking, je crois qu'il a une épée, ouais. Lui aussi, c'est un type technique. Allez, type technique, c'est galère. Après, Mihawk, ça va être tranquille. Puis on va voir, on va voir. Ok, let's go.